Tu veux garder ta conversation WhatsApp confidentielle et donner aucune chance à l'intrus de jeter un coup d'œil à votre conversation WhatsApp? Surtout si vous voulez garder cette discussion secrète, restez jusqu'à la fin pour voir comment cacher vos messages WhatsApp. Donc, pour pouvoir masquer votre discussion soit sur WhatsApp ou sur l'iPhone, là, il faut que votre téléphone déjà dispose d'une méthode de verrouillage. Comme ici, notre téléphone est là, un code PIN. Un code PIN, le schéma, ou l'empreinte, ou la Face ID, ou d'autres méthodes de verrouillage. Maintenant que notre téléphone dispose d'une méthode de verrouillage, quand on va dans la discussion, j'ai déjà masqué une discussion. La voici. Comment j'ai fait pour cela? C'est assez simple. Il suffit juste de maintenir votre doigt sur la discussion que vous voulez verrouiller. Cliquez sur ces trois points et cliquez sur verrouiller la discussion. Rentrez votre code et là, comme vous le voyez ici, aucune discussion ne s'affiche, elles sont toutes cachées. Pour pouvoir accéder à cela, il faut les déverrouiller. Donc, cliquez sur déverrouiller la discussion et rentrez notre mot de passe. Et là, on retrouve nos discussions cachées. Maintenant, si vous avez un iPhone, la méthode, elle ressemble un peu à celle-là, toujours dans discussion. On va choisir la discussion qu'on veut. On va cliquer sur notre discussion et on va cocher verrouiller la discussion. Continuer. Bien sûr, il faut une méthode de verrouillage. OK. Et là, voilà, on ne retrouve pas notre discussion. Pour pouvoir accéder à notre discussion, on va cliquer sur déverrouiller. Et voilà, maintenant, on a accès à notre discussion. Maintenant que vous êtes sûr que vos messages sont bien cachés, si tu veux voir comment accéder à un téléphone à distance avec WhatsApp, je vous recommande cette vidéo. Et d'ici là, la paix sur vous, salam, peace.